Et salut tout le monde, c'est Yvac, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite de D3 Become Human et... Oh putain! Oh là là, l'épisode avec Zlatko, il nous a tellement pas mis bien du tout là! Ah, oh, c'était affreux! Mec, il a tiré genre 12 milliards de balles! Je sais pas, franchement, je sais honnêtement pas comment j'ai fait pour réussir tous les QTE. Bon, après c'est parce qu'il n'y a pas de LTRB et compagnie là, mais... Oh! Oh! Le retour? Avec... Comment elle s'appelait la dame? Amanda. Amanda. Du coup, alors, dans l'épisode précédent où j'étais allé voir Amanda, j'avais activé cette pierre, il s'était rien passé, donc je vais voir si maintenant ça fait quelque chose. Il y avait aussi un autre truc apparemment que j'avais raté dans le jardin. Alors déjà, toi tu mets la main droite alors que c'est clairement une main gauche. T'as pas trop compris, connard, comment ça marchait. Ok, donc ça ne marche pas. Je pense que ça doit être à droite. Ça doit être à droite et il y a un obélisque. Cours, obélisque! Titalitatou papou. Par contre, j'ai un parapluie, ce swag. Je n'ai aucune idée de là où je vais. Ah, il y a un truc là-bas. Qu'est-ce donc que ces carabistouilles? Oh! C'était un mur invisible. Parfait. Ah, oh, merde, elle est là. Bonjour Amanda. Mais non, mais je voulais pas te Connor, parler. Je t'attendais. Non, je sais toujours pas ce que c'est notre truc. Que dirais-tu de marcher un peu? Ok. Oh, mais elle va m'engueuler, parce que du coup j'ai laissé le déviant s'échapper et que j'ai sauvé Hank. Oh mais non, mais putain, genre je fais tous les pires choix, c'est ça? Ce déviant semblait être un cas fascinant. Allez. Quel dommage que tu n'aies pas Et réussi. voilà, les reproches, les reproches. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai aucune excuse. J'ai manqué d'efficacité. As-tu appris quelque chose? Le carnet! Explique le carnet. Ouais, le journal. J'ai trouvé son journal, mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des semaines. On n'a pas des semaines, Connor. Quoi d'autre? Inscription au mur. Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthes et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle R9. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il a une façon à lui de s'exprimer. Nous devons agir rapidement. Mais je sais, tu me dis ça à chaque épisode. La violence continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Ah. Trouve Anderson et mène l'enquête. Un nouveau cas? Est-ce que du coup c'est la maison où il y avait Kara? Genre ils ont entendu les coups de feu de Zlato, ou je sais plus son nom. J'ai oublié son nom. De l'autre gros tas de merde, voilà, on va l'appeler comme ça. Ah, je suis ultra sale encore de cet épisode précédent. Et non. Et non. Ok, bon. Oh, je vais aller voir Hank. Oh, c'est trop bien. Inspectons les environnements. Alors, est-ce qu'il recycle? Quoi, par la fenêtre et sa bagnole. On va voir sa voiture. Ok, il y a des trucs à voir en particulier? Non. Pas le garage? Non, pas le garage. On peut voir par la fenêtre. C'est éteint. Mais il y a une lumière dans le couloir allumé là-bas. Ça fait un peu psychopathe quand même, le mec qui regarde à travers les vitres. Oh, c'est le chien! C'est Simon!
Lieutenant Anderson. Zéro patience. Trouver un moyen d'entrer. Attends, je ressonne. Bon. Il est peut-être au cabinet. Sur une porte de derrière. Une fenêtre. Oh merde! Lieutenant Anderson! Ben pas le choix, hein. Du calme, Sumo. Je suis ton ami. Tu vois? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Oh, il est trop mignon! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, il a un flingue. Ah non, c'est une bouteille. Il a un flingue et une bouteille. Oh, une balle restante. Ok, bon ça va. Juste il a trop picolé. Ah ok, c'est ça. Lieutenant. Une claque. Oh ça. Debout, lieutenant. Ah, c'est moi, connard. Pardon. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, ça risque d'être un peu désagréable. Android de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. LB, c'est celui-là. Oh, je galère tellement. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi. Sumo, attaque. Mon chien. Attaque. Ah, c'est hilarant, putain. Merde, j'ai envie de gerber. Sumo, attaque. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Allez, tu peux pas résister. Mais qu'est-ce que tu fais? I'm not grumpy, I just don't like you. J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Allez, repousse-le. Froid. Arrête ça tout de suite! Ah, c'est affreux d'être réveillé comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh, tu peux pas me laisser tranquille. Je ne peux pas, malheureusement. On m'a programmé pour mener cette enquête et je ne peux pas la résoudre sans vous. J'en ai rien à battre de ton enquête de merde. Lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. Ah, oh, mais je peux le provoquer. Je comprends. J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels. Cet homicide, là... Qu'est-ce qu'on a comme info? Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. D'après le rapport, un androïde serait peut-être impliqué. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Je pense aussi, Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. Attends, je peux voir le... Il y a plein de mots rigolos. Ah, mais c'est passé tellement vite, j'ai pas eu le temps de voir. They all... Putain, mais j'arrive pas. Oh, c'est nul. Bon, je mettrai en pause quand je montrerai la vidéo. Mm-mm-mm-mm.
Que voulez-vous porter ? Rien à foutre. hippie, rayez... hippie, mec. Yes ! C'est trop bien. Pourquoi t'as des trucs comme ça chez toi ? C'est trop stylé. Des trucs à scanner un peu. Pas un pantalon ? Ah. Je vais poser ça là. Hein. Est-ce que ça va, lieutenant ? Ouais. Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok ? Oh. Bien sûr. Prenez votre temps. Ah ! Ah ! C'est horrible. Je m'en vais. Très loin. Je vais aller voir Sumo. Il est où ? Et a officiellement demandé à ce que les troupes russes se retirent immédiatement de l'Arctique. Le Kremlin n'a pas encore répondu, mais il est clair que la tension monte entre les deux pays. De nombreux experts s'accordent à dire que la menace d'une troisième guerre mondiale se précise de jour en jour. Oh, je veux trop un chien. Un gros chien comme ça. Oh, c'est trop chaud. Oh, trop mignon. Alors, il y a rien par là. Ok, par là-bas. Ok. Il écoute des vinyles. Il a des tenues de hipster, enfin de hippie. Ça n'a rien à voir. Arrête. Oh merde. Ok. Désolé pour la fenêtre, lieutenant. J'ai vraiment cru à une agression. Bien sûr, CyberLife vous remboursera les dégâts. Ouais, fais-moi confiance pour leur envoyer la note. Parfait, ça vous va super bien. Allez, sois sage, c'est bon. Je serai pas long. Ah, yes. C'est trop bien qu'ils aient mis des détails comme ça. Genre un costume ridicule, le mec a tellement rien à foutre que... C'est tellement cool. Ce jeu est trop bien, ça sert à rien. Partie à l'Eden Club. Enfin. Et Amanda, elle dit que c'est une nouvelle piste. Un truc, ça fait... C'est le première fois que qu'ils ont eu. Je vais arriver à parler, ça va être compliqué. Quand Connor est arrivé au commissariat, j'ai vu qu'il y avait le truc sur l'Eden Club et j'ai dit ah c'est le truc de la maison de Carlos. Et ils y vont que maintenant, enfin, ça n'a aucun sens. Bref, c'est quasi cool. J'ai toujours pas trouvé. Ah non mais là il y avait pas. Ok. Trouver Hank Anderson. Tac tac tac. Calmer le chien de Hank. Genre il aurait pu t'attaquer. Compréhensive. Prends la chemise hippie. Trouver la photo du fils de Hank. Ah, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Ok, mais du coup on a arrêté pour cet épisode. Maintenant, on sait pourquoi Hank a des tendances suicidaires. Pourquoi ça va pas de ouf. Il était promu. Il avait des articles qui disaient qu'il allait être promu préfet ou je sais plus quoi. Enfin, qu'il avait une superbe carrière. Et que du jour au lendemain, il a une haine pour les androïdes et qu'il a perdu son fils. Du coup, ça risque. Ouais, on sait pas trop encore comment son fils est mort, mais on sait déjà d'avance que ça cause un androïde, quoi. Bref, on en saura plus prochainement.
Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour la suite de Detroit Become Human. Ciao les gars!